Un policier n'est pas reconnu coupable d'avoir tué un homme non armé. Un grand jury d'instance au Texas a déclaré que l'officier Robert Clark n'était pas coupable de l'assassinat de Ruben Garcia Villalpando, survenu après une course-poursuite en février dernier. Sur la vidéo de bord qui a été publiée par les autorités, Villalpando, petit, étant vu, il est intoxiqué. Au bout d'un moment, il arrête son véhicule et en sort sous les ordres de l'officier. Ce qui suit sont les dernières secondes sur Terre de Villalpando. L'avocat de la famille de Villalpando, Domingo Garcia, a questionné l'originalité de cette vidéo et a déclaré que des experts vérifieront si celle-ci n'a pas été retouchée. En attendant, les autorités soutiennent l'acte de Clark. Ils ont même été faire appel à un expert du FBI qui a déclaré que Clark avait été en droit de tirer et que le suspect montrait des signes d'agression et qu'il allait s'apprêter à attaquer.